Yo tout le monde, c'est Mitch QC. Aujourd'hui, ben encore une nouvelle vidéo dégustation, hein? Il y a une nouveauté, je vais en profiter, je vais faire une vidéo, puis je vais remplir mon bedon. Ah ben oui, toi Gaëtan. Évidemment, ça virait de bord, hein? Bravo. Ça qui a crissé le camp à terre, puis mes frites qui ont collé le camp dans le sac. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais mes frites sont là. Regarde, ils vont être mangeables pareil, hein? Ah. Ils sont bonnes, mais ça rend du fret. Cool. Mais ils sont bonnes. Un petit peu trop de sel, par exemple. Ben, c'est ça. Il y a une nouveauté. Nouveauté, ben, comme vous le savez, McDonald's. Quelle nouvelle nouveauté? Nouvelle nouveauté, ça se dit ça? Ça se dit-tu ça? Nouvelle nouveauté. Regarde ce que oui. En tout cas, il y a deux nouveaux hamburgers au poulet, au McDo. C'est à peu près la même affaire, là. Je sais que la différence, c'est qu'il y en a un qui a une tomate pis du bacon. C'est juste ça la différence. Sinon, c'est pareil. Mais c'est ça, je savais même pas que ça avait sorti. Quelqu'un dans les commentaires qui me l'avait dit dans ma dernière vidéo. Chris, tabarnak, on va aller essayer ça, ça a l'air carrément bon. En gros, c'est le Mick Croustia. Le Mac Croustia. Les boîtes, ils ressemblent à ça. C'est la même boîte. Ben, chill. Fait que, pour ceux qui veulent avoir le nom de la différence, ben, je sais pas comment dire. Le mec croustillant, si vous prenez le mec croustillant, vous allez juste avoir là-dessus maillot, puis la boulette, puis le pain, évidemment. Puis avec le deluxe, c'est ça qu'il y a d'extra. C'est le bacon, puis la tomate. J'étais pas obligé de prendre les deux. Si j'aurais juste pris celle de deluxe, j'aurais été capable de savoir qu'est-ce que ça goûte lui qui a pas de tomate, puis pas de bacon. Regarde, je suis dit, je vais prendre les deux, tant qu'il y a d'être là. Là, on va essayer le premier, qui est le mec croustillant normal. Fait que le pain il est brioché, man. C'est fucking bon. Oui, ton nom crissé dans le toaster un petit peu trop longtemps, moi, je pense. Fait que là, comme je vous ai dit, il y a le pain brioché. Il y a la laitue, il y a de la mayo, puis il y a le poulet. Je pense que le poulet, hey, l'enfant, ça va être comme un mac poulet. Puis juste pour crosser le monde, ils ont appelé ça un mec croustillant. À moins qu'ils l'ont crissé deux fois dans la friteuse. Je sais pas. Checker voir comment ils ont fait ça. Parce que, hey, si c'est juste la boulette du mac poulet, c'est de la crosse en tabarnak, cette affaire-là. Ça a marché sur moi en esti, par exemple. Mec croustillant. C'est encore ça. C'est la sauce à mac poulet. C'est de la mayo, j'imagine. Crispy chicken portion. Portion? Pas mal sûr que c'est la même esti affaire que le mac poulet. La seule différence que je vois, c'est que pour celle-là, c'est une poitrine de poulet, puis l'autre, c'est de la chair de poulet. Ça revient à même affaire, j'imagine. Non? Pas pire pantoute. Hey, au moins, c'est pas le même poulet. Fait que c'est ça, il y a vraiment, c'est juste la différence du poulet. Le poulet, pour le mac poulet, c'est genre de la chair, ce que j'ai vu. Puis celle-là, c'est vraiment une poitrine. Parce que ça a pas le même goût, pantoute, la boulette. Fait que, yeah. Pour voir l'extérieur encore une fois avant que je le mange. Ça ressemble à ça. On va prendre le bout avec la salade. On va essayer de prendre une bouchée globale du hamburger. Dans le fond, le poulet, il ressemble à ça. Je suis pas sûr qu'il ressemble. Ça va juste focus sur ma face, évidemment. Ça goûte le poulet. No shit. Parce que, mettons là, ça goûte pas le poulet du mac poulet, genre. Je sais pas comment vous le décrire. Vous allez pouvoir aller goûter au McDonald's, hein. Je sais pas si c'est jusqu'à quand, par exemple. Mais en tout cas, c'est quand même assez. C'est quand même. C'est crissement taste. Le pain, par exemple, y a-t-il une différence de goût? Ah ouais. Une légère différence. Un calice. Je mange un burger, tabarnak. Ils m'ont mis une petite salade dans le fond. Mais tabarnak, ils sont bien gentils. Ça me fait chaud au cœur. Waouh. Ils pensent même à ma santé. Ils me mettent plus. Ils me mettent une salade dans le fond du hamburger. Waouh. Il n'y a pas meilleur que ça comme salade. Ça n'a pas la bon sens. En vrai, la raison qu'il y a de la salade dans le fond, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment que la salade aurait pu tout se remonter dans le fond. Peut-être que quand le sac a pris le bord à terre, ça a tout renversé, puis ça a été allé en dessous, je pense. Je sais pas. C'était l'instant miniature. Désolé pour ça.
C'est ça, vous avez vu que j'avais des frites pour l'hamburger. J'ai pris un trio, évidemment. Fait que là, j'ai pris une bonne petite wood beer. Fait que... Chien, chien. Bon, on va faire l'autre hamburger, hein? On va lâcher le téléphone, fait que la boîte ressemble à ma mère, en fait. Oh! C'est-tu la même chose, par exemple? Je sais pas, mais cet hamburger-là, il y a tout décalcé aussi. Il y a vraiment décalcé. Le bacon, il y a de la crue. C'est ça, il ressemble à ça, c'est la même affaire. Une tranche de tomate. On va mieux l'avoir ici, une tranche de tomate avec du bacon. Puis là, j'en ai encore partout. Donc, on va goûter à ça. C'est carrément test. L'intérieur ressemble à ça. Il n'y a plus de laitue, c'est comme notre hamburger, il y a tout qui est à côté. Mais c'est ça, j'ai pas montré tout à l'heure, ça ressemble à ça. Ben correct, comme un Mac poulet là, dans le fond intérieur. C'est juste le poulet qui est différent. Là c'est quasiment bon le poulet. C'est bizarre, il y a du talent, mais il n'y a pas d'éclair. Je me demande pourquoi. Ah ben, on va finir mes frites. Mes frites sont sûrement gelées à cette heure-là. Oui. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le sac. Ils sont rendus frites. Ah, calice. Hey, essayez de faire le sang quand on mange, hein. Une chose que j'ai pas vu le chien. Je suis en train de vous dire ça, je vous ai même pas mis dans le contexte. Des personnes là, qui sont en train de prendre son chien, puis le chien il a pris une marde. Une chose, j'ai pas regardé quand, pendant qu'il chiait, mais la madame a mis son sac à ceci, puis a ramassé la crotte. Ah, c'est tellement beau à voir quand tu manges là. Pour moi, je suis pas tant sensible avec ça. Là. Continue à manger mes frites pareil, c'est carré ce matin, c'est frites. Ça, on va finir la vidéo là. Pour ceux qui regardent la vidéo pour savoir c'est quoi la différence. Ben, c'est en fait, s'il y en a qui regardent la vidéo et qui veulent savoir c'est quoi un mec croustillant, dans le fond, un mec croustillant, c'est un mac poulet, sauf que le poulet, c'est pas la même affaire. Le poulet d'un mec poulet, c'est de la chair, à ce que j'ai vu. Fait que c'est ça, pour le mac poulet, c'est de la chair de poulet, puis pour le mec croustillant, c'est de la poitrine de poulet. La poitrine, c'est crissement mieux. Fait que si vous allez au McDonald's, puis vous vous dites, ah, oh, je vais me prendre un trio mac poulet. Prends-toi un trio mec. Je vais dire un trio mec cricket. Non, un mec croustillant. Je trouve que le poulet il est meilleur. Fait que c'est ça. J'ai pas rien d'autre à rajouter. Allez essayer ça. C'est quand même bon. C'est bon. C'est bon. Allez essayer ça. Fait que j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère que je vous aurais pas donné trop faim. Puis, ben, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Thank you.